Ben voilà, c'est tout quoi. Catherine veut divorcer. Et moi, je... Et toi, quoi? Ça fait plus de 2 ans que vous êtes séparés, non? Ouais, je dis pas le contraire. Tenez, c'est du Condrieu. Non, parce que d'après mon avocat, si elle veut divorcer tout d'un coup, c'est qu'elle a quelque chose dans la tête. Quelque chose ou quelqu'un. Parce que moi, depuis qu'on s'est quitté, je lui ai rien fait. Alors je suis obligé de me défendre, parce qu'autrement j'ai tous les torts contre moi. Te défendre de quoi? Ben j'en sais rien justement. Je sais pas ce qui peut arriver. Tu sais, une femme, quand c'est plus ta femme. Ouais. Non alors, il me faut des lettres. Je suis embêté de vous demander ça, mais sinon à qui je peux demander? Mais des lettres de quoi? Eh ben des témoignages, on se connaît bien, vous dites on que... Mais Catherine aussi, on la connaît. Non mais je sais bien, mais c'est des formalités, c'est pour mettre dans le dossier. Elle aussi, elle en aura. Hein. Je me demande bien à qui elle va les demander d'ailleurs. À nos femmes. En somme, tu voudrais l'état réciproque. Ouais. Et voilà, c'est ça. Et il faut qu'on écrive quoi? Qu'elle t'a trompé? Oh ben non, non, quand même pas, non. Non mais je sais pas, Paul, t'es écrivain, toi. Tu vas bien forcément trouver une façon de... Hein? T'as un stylo? Tiens, prends un papier, là. Non, parce qu'en réalité, c'est elle qui est partie. Ah, et tu nous avais pas dit que c'était toi qui l'avais quitté? J'avais dit... Non, ça se passe pas comme ça, la preuve. Je suis ici. J'avais dit... Non, mais c'était à cause de Marie, mais... Tu veux dire que, historiquement, c'est Catherine qui est partie d'ici? Mais oui.